La suite de nos échanges, voilà, donc comme je disais, une bonne suite à votre retour. C'est 10 villages maintenant qui sont en compétition. Maintenant, ça veut dire la zone forestière. Nous sommes dans la zone forestière. Hein? Voilà, maintenant 12. Voilà, 12 villages. Préparez la prochaine rencontre. Voilà, parce qu'on a des messages à véhiculer. Pour nous, notre prière, c'est que les cadres visitent vos villages. Voilà, la preuve, c'est que quand nous sommes, quand nous parlons de vos raisons, nous sommes en train de travailler dans ce sens. Nous savons plus ou moins qu'il y a la sorcellerie. Et à cause de ça, les gens ont peur de partir. Ça, c'est la chose la plus sûre. Nous les rassurons aussi que même en ville, les sorciers, s'ils viennent te manger, ils ont un avion pour ça. Moi, c'est déplacé, moi, venir manger maintenant pour tout âge. C'est le Corée. Ils vont dormir tranquille. Voilà. Mais c'est Dieu seul qui protège. Voilà, c'est Dieu seul qui protège. Il faut donner l'envie aux gens de visiter vos villages. Dans cette compétition-là, le titre, le thème même, c'est le vivre ensemble. Voilà, c'est le vivre ensemble. On vous encourage à marcher avec Dieu et entreprendre. Voilà, c'est pour ça qu'on vous offre un déjeuner. Voilà. Si moi j'ai pu faire ça, vous pouvez le faire. Vous comprenez? Si j'ai pu le faire, si on a fait ça en un rien de temps, j'en ai fait ça en un rien de temps, j'encourage les gens à venir entreprendre le dîner. C'est très important. Parce que la plupart des gens disent, ah non, viens pourquoi là-bas, moi je préfère rester ici, je préfère envoyer mon argent ici. Mais dans l'entrepreneuriat, il y a toujours un risque. Il faut toujours risquer. Moi j'ai compris que manger là. Quelqu'un va voir, il n'a qu'à voir tout, mais manger. S'il ne dort pas, il ne mange pas, il ne peut pas dormir. Donc j'investis dans la restauration. Voilà, j'investis dans la restauration. Et j'invite aussi tout le monde à entreprendre. Vous pouvez entreprendre, on va vous donner des idées. Si tu as fait des champs et puis entreprendre. Voilà, donc voici le pain. On sait que ça, là, ça prend où la sagesse. De toute façon, vous voyez là, vous êtes des grands mangeurs. Le riz. Des grands mangeurs de riz, donc j'ai demandé, le riz c'est presque vite, que vous comblez ça sous bâtiment. On a fait un petit déjeuner. Sinon, de toute façon, je vois les visages là. Ils ont eu le pain. On dit, mais c'est quoi ça? C'est pour nous châtier ou bien? Vous allez nous caresser dans le ventre ou bien? Vous voyez, le gros mangeur de riz. Donc le riz vient. Voilà, donc je prends ça en compte. Tout ce qu'il fait, il fait. Hein. Et ici, là, je suis client aussi comme vous. Je ne suis pas ici propriétaire. On s'en a fait business comme ça. Quand j'ai pris des bras, je paye. Je reprends en Malon et en France. Toute l'équipe de ce matin qui s'est déplacée pour venir répondre à l'appel du PDG, le parrain d'organisateur, le président de la Coupe. Nous qui sommes venus, nous sommes au nombre de 7 personnes. 9 personnes. Maintenant, chacun reste témoin du montant donné. Vous vous êtes déplacé pour en témoigner que cela a été vrai, ce n'était pas on dit. Voici les 1 500 000 pour la commission d'organisation. Et je vais remettre cette somme au président d'organisation, M. Philos Mahamid. Merci. Alors, j'ai un mot à dire. Je vais vous inviter dans ce restaurant. Pour vous encourager à entreprendre, en fait l'entrepreneuriat. L'objectif pour lequel nous organisons les matchs de football, c'est pour vous motiver la jeunesse à entreprendre et au travail. Il faut que moi je sois un modèle. Je suis arrivé en forêt, ça ne va même pas 6 mois. J'ai entrepris, j'ai mis un restaurant en place. Alors la compétition de football, il y a un message derrière. Motiver les cadres à venir dans le peuple maintenant, vos cadres, c'est pour ça que le responsable de l'Ecobank était avec nous. Mais en même temps, vous motiver à aller travailler. Nous aurons très bientôt l'usine d'Akeke. Voilà. Oui, travailler. Cet argent-là, ce n'est pas parce que je ramasse, c'est parce que je travaille. Voilà, c'est pour ça qu'il était obligé de vous donner ce message. On ne ramasse pas l'argent. Là, hier, la dernière fois, les enfants couraient derrière ma voiture. On veut l'argent, on veut l'argent. Il dit, mais vous savez. Vous avez vu, il y a des gens qui ont demandé où est l'argent. Ils se sont tués tout de suite. On veut l'argent, où c'est? Et tous se sont tués. J'aurais dit, bon, l'argent, là, on ramasse ça. On travaille. C'est pour vous dire, c'est pas parce qu'on ramasse l'argent, mais juste pour motiver. Il y a des gens qui ont besoin de motivation pour réussir leur vie.
Nous, on ne vous voit pas comme les gens de bas classe. On ne vous voit pas comme les gens qui ont raté leur vie. Non. On vous voit comme les gens qui peuvent réussir dans la vie, si on leur apporte des idées. C'est ça que nous sommes avec vous. Donc, c'est une manière de vous accompagner. Maintenant, si on vous accompagne, que vous ne pouvez rien, Dieu sera témoin. Quand un jour on t'a aidé, tu n'as rien fait. Donc, travaillez. Voilà, le comité d'organisation, tout entre dans votre main. C'est vrai que mais la balle est dans votre main. Vous ne m'avez rien demandé. J'ai vu un peu ce qui se passe et j'ai décidé de vous accompagner. Travaillez, mettez de l'ordre. Tout de l'ordre. Il faut.